Complètement fou ce mec. Oh, d'un coup là. Préviens pas. Se faire ouvrir là. Se faire ouvrir au calme. Attends pas. J'arrive pas à jouer longtemps bien à Smash. Enfin, déjà jouer bien c'est chaud mais. C'est impossible. Tu sais, jouer genre pendant une heure et demie, être constant quoi. C'est trop dur. J'ai fait tout à l'heure un peu contre Trim, qui du coup joueur pro pour Esprit Shonen, mais c'était vraiment dur. Il est trop fort. Plus maintenant, tous les gros joueurs FR, ils ont un CAP contre Pac-Man, vu qu'ils jouent contre Mozai chaque semaine. Aïe aïe aïe. C'est vraiment dur. Hein. Ils sont trop forts contre Pac. Hey. M'attendais pas. Le loup. Le loup. Putain, faut le toucher hein, ce loup. Putain, quel enfer. Ok. Hi. Le. C'est d'où le loup? Oh, il a sauté. Ah, faut mix-up un peu sinon. Oh, tu m'as foutu de soul. Ça va être trop bien mon cul, mec. Oh putain, c'est incroyable, l'annonce est assez ouf, j'avoue. Mais nous, ça fait longtemps qu'on sait en plus, donc. Mais. Et du coup, c'était dur de se contenir un peu, tellement tu sais. Bah, surtout quand les gens ils disaient, ouais, mais mon cul, que ça va être éclaté au sol, il va y avoir 150 personnes. Moi, j'étais en mode. En vrai, attendez l'annonce, en vrai, attendez. C'est tellement une bonne idée d'avoir transformé ça en festival. De fou. Et c'est un petit pied de nez parce que. Tu vois, genre. Même moi, j'étais un peu de la team en mode, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire à mon cul, ça va être à chier. Et finalement, c'est limite plus grand que ce qu'il aurait pu avoir à Lyon, tu vois, par rapport au prix. Mais largement. Lyon, ça aurait été dans une belle salle, ça aurait été très cool, mais ça aurait été juste une émission, je pense. Là, vraiment, il y a un vrai truc, hein. Une trop bonne merde. Idée. Oh, le bouffe. Oh, le bouffe. Ah, c'est... Franchement, l'idée, elle est trop bien. Et Periwam en festival. LK, ça va mettre un bordel de fou. Toxic Avenger, Asdek, enfin, ça va être vraiment une scène. C'est une dinguerie. Je pense à Asdek, ce sera plus genre 3h du mat, tu vois. Ouais, ça va être. Quand les gens vont être sous Jack Fuego. Tu sais que je le kiffe en plus, j'aime trop. Moi, je connais trop les sons qu'il fait, j'aime trop la personne. Moi, je connaissais pas du tout avant de savoir qu'il faisait, du coup, j'ai check. Mais j'avais jamais écouté. Et je pense que c'est vraiment du son de festival, quoi. Ah, c'est du son où ça va clairement taper du pied à 3h du mat, clairement. C'est boum boum dans les oreilles. Ouais, clairement. Ok, je rentre dedans, j'attends. Double saute. Personne sait ce que je vais faire. Non, c'est horrible. Personne. Ça se cherche, hein. Ok. Mec, j'arrive pas à toucher. Movement, mec. Slingshot. Oh, let's go. Oh, let's go. Il est chaud. Il est allé me chercher trop bas. Il est chaud. Ah, c'est pas broken, ça. Non, c'est pas broken. Bah, en juillet, il y aura beaucoup de gens en vacances, non? Ouais, je pense. Après, 2-3 juillet, c'est un peu les périodes de rattrapage partiel, non? Ouais, ça. Moi, je sais pas, j'avais eu les résultats du bac, je crois, genre le 7 juillet, donc j'imagine c'est genre. Je sais pas. Ouais, c'est cette période-là, mais. C'est plus tard, je pense, un peu les rattrapages. Oh putain, mec, j'ai l'impression d'être tellement. Tu commences à être vieux quand tu sais pas quand c'est le bac ou quand tu sais pas quand t'es. Ah, frère. Non, m'en parle pas. Ah oui. Vraiment, c'est. C'est plus mi-juin les rattrapages, what the fuck? Non, moi j'avais eu le résultat du bac, genre. Vraiment début juillet, 100%. Hein. La fête, c'est la fête de ce qu'avait le bac et tout là. Ah, toi, t'as fêté le bac, toi. Ah, on a fêté, mec. Hein. Ouais. Ça a écouté du matin. Ce ne sera que la cerise, mec. Faut prendre. Ah, toi, ça, je t'aime bien le mettre. Bah, il est fort, hein. Il aspire et tout. Ouais, hein. Il colle. Il cogne et tout, il connecte avec beaucoup de trucs. Boum. Oh. Boum. Occupe-toi. Et tu vois, genre, t'es trop. Je trouve que. En fait, t'es trop mobile, j'arrive pas à te mettre, genre, ne serait-ce que des back airs. Parce que là. Ah, c'est vraiment la. Muscule, avec Wolf, je me régale, hein. Parce que c'est vraiment un game plan que je peux pas trop avoir avec Pac-Man.
C'est une boule pas aussi mobile. Et Wolf, c'est tellement rapide. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est très très rapide. Ça a vraiment peu de lag. Et ça a un kill power de zinzin, quoi. Ouais, ouais, de fou. Ça se sent, hein. C'est un réflexe, donc... Vraiment, le perso, il manque pas grand-chose. Oula. Ça a une kill trop, en plus. Donc, vraiment... Eh hé! Skurt! C'est horrible comme vraiment j'arrive pas à toucher en fait, c'est ça qui se passe. Ouais. Je sais pas par où retomber et tout, c'est horrible. Top 1 du jeu Wolf! Oh Vince, calme-toi! Top 1! Empire Amitra existe, sérieux. Oh mec, t'es piqué à Smash toi pour jouer à 23h. Ça t'arrive jamais. Ouais, ça va pas du tout mec. Hein. Ça va pas là. Ouais, bah je sais pas, en vrai il y a le tournoi samedi où le niveau... Ok, ok. T'es le plus fort, mais il y a un gap entre toi et moi et ce gap, en fait c'est 10 joueurs du tournoi de samedi quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu chaud quoi. Ah, je pense pas que tu sois si d'ici moi. Ah mec, mec y a on pas est combien, on est 16. Mec, on est 16 et il y a... pas mal de gens où tu pars du principe que t'es derrière eux mais tu leur prends des games. Pour moi le gap c'est des gens contre qui t'as quasiment jamais pris de game. Alors tu vois là le truc qui fait que moi je suis confiant pour le tournoi, c'est que je sais que sur Pac-Man, il y a sur les... Game à tout le monde, bah sur les 16 joueurs je crois que quasiment personne m'a déjà battu avec Pac. Peut-être une fois tu vois. Oui oui c'est ça ouais. Donc j'ai ce truc là où je me sens bien. Mais je pense que t'as pris des games à tout le monde ouais. Onu tu l'as déjà battu, Yusra tu l'as déjà battu. Oui oui oui. Oui, après, Nico tu l'as déjà battu, Bitel pareil. Nico mec jamais joué contre. Nico je pense que tu peux largement le battre. Il est chaud, il fait des trucs, mais en plus c'est un match-up que tu connais, il joue Lucina, c'est pas. Ouais, moi je pense que le gros problème c'est Croco. Croco c'est vraiment les problèmes. Ah Croco il est vraiment chaud hein. Croco il joue bien. Jeu, c'est assez fou hein. En fait il joue bien, il a vraiment un perso de mangeur de colle donc. Luigi là. Ah ouais, c'est ça bouffe de la colle Luigi. Ok, c'est bien eu. T'as souvent tendance à overextend, genre tu touches une fois, là tu cherches, et du coup ensuite ouais, tu retapes. Ouais, j'essaie de bait ton dodge, mais... Là tu vois, là ouais, t'aurais pu, ouais. J'aurais pu up smash ou... Là il y avait up smash et il y avait grab aussi. Oui. C'est vrai, putain. Bien eu. Et t'as tendance à toujours faire ça. Quand tu grabes, tu fais tout le temps neutral B. Oui, de fou. C'est cool de varier. Attends. Parce que t'as beaucoup de choses à faire. Tu peux bait en faisant un neutral air en approchant. Tu peux vraiment faire plein de trucs. Et neutral B, c'est pas une option de fou. Surtout contre Wolf, que réflecteur. Réflecte, ouais. Et du coup, j'ai aucun. En fait, j'ai aucun reward à ne. Enfin, j'ai aucun risque à ne pas le faire. Non mais c'est pas une question de... En fait c'est pas une question de constance Yusra, dans le sens où en tournoi tout peut arriver. Si t'as réussi à battre plusieurs fois quelqu'un, et bah en tournoi ça veut dire que t'as quand même la capacité de lui prendre des games. Alors oui, que si t'as quand même jamais battu quelqu'un, c'est difficile de sur un BO5 prendre un BO5 à quelqu'un. C'est possible. Mais oula oh désolé mais pas possible de join. On est en train d'entraîner quelqu'un là. Désolé Raoult, très bien tenté mais... Rien tenter. Ou sinon, mec, je tente un pack. Je tente un pack, et si c'est le meilleur joueur du monde, ça vas-y, m'aura fait un training. Ouais, honnête, de fou. Ah, honnête, de fou. Et ce sera la. Mais, c'est la seule personne avec qui je fais ça. Hein. Sinon, on kick. Ah, mais bah, il est parti. Il est parti. Ah, il est parti. Ah, bon, j'étais prêt. J'avais sorti le pack. Ah, vas-y, défoule-toi. Hein. Ah, vas-y. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. En tournoi, et surtout là, on va être sur scène et tout. Enfin, c'est des conditions qui sont particulières. On peut vite paniquer, hein. Concrètement, c'est pas. On n'est pas dans notre canapé au calme devant le PC. Bah, tu vas peut-être vivre pour la première fois ce moment où, quand tu mets un coup, tu vas entendre des bruits dans le public. Et ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment une sensation de fou, mec. Quand tu mets un coup bien. Et que t'es en avantage et que t'entends des. Ah ! C'est incroyable. Ah, faut mettre des coups, quoi, mais ouais. Smash, quand la foule est pour toi, c'est trop une dinguerie. C'est pour ça que je trouve la public div dans Smash, c'est insane.
J'aime trop Pac-Man en ce moment. Je crois que j'ai jamais autant, autant kiffé Pac. Oula. Oui. Qu'est-ce qu'elle me saoule cette bouche là? Ah mais t'as pas compris ce que je veux dire. En fait ça a rien à voir avec le seeding. Genre oui par exemple t'as beaucoup plus de chances de battre Ponce que Ponce a de chances de te battre. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est impossible. Alors que si t'as jamais pris de game à quelqu'un, ça reste possible aussi. Tu peux faire une first time. Mais il y a beaucoup plus de chances de réussir à prendre un BO à quelqu'un à qui t'as quand même l'habitude de prendre quelques games. Je trouve. Hop les... Oh mais c'est sûr hein. Je en vrai, Oh quoi? C'est vrai. Ah putain, je voulais... je voulais F-smash le machin. Non. Voilà. Je vais sortir le Steve et que tout le monde hurlera dans la scène. Tu vas te faire huer, mec. Petit dodgin là. Ouais, petit dodgin au calme. Petit dodgin au calme là. Oh, putain, j'ai vraiment du mal hein. Movement. Ouais, mais movement difficile à lire de fou quoi. Ok. Au début. Je sais pas qui va commenter, c'est peut-être les... Ah putain, j'avoue. Il y aura peut-être des top players qui commenteront, genre des OG et tout qui voudront commenter. Oh là là. Très très marrant. Moi je vais me faire vraiment full vanner au cast, hein. Ça va être... Ah bah ils connaissent les... Bah ouais, les joueurs ils vous connaissent peut-être un peu moins que moi, putain ils me full van. Ils arrêtent pas de m'appeler l'escroc. Je dis que je suis streamer quand je bats des joueurs. Du coup, ils me détestent. Vas-y, Tico. Merci, Nico. Ah, j'aurais pu smash. Est-ce qu'il y a des gros joueurs contre qui t'as pas joué récemment, là? Les joueurs contre qui j'ai joué? Alors, après, j'ai joué contre beaucoup, ouais. Ah non, justement, contre qui t'as pas joué récemment, genre bah, vraiment dans le top. Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Gluto en vrai. Parce que du coup, je l'ai vu à l'e-spot et j'ai pas pu jouer contre lui. En gros joueur, j'ai pu jouer contre Moza et récemment Léon. Je vais contre Niro, je vais contre Nitox. Je vais contre. En fait, il est là, Raoult, change pas. Ouais, t'as joué, mais t'as joué, oui, voilà, t'as joué vraiment contre beaucoup de gens, quoi. Jouer contre Trim, jouer contre Sirov, contre Tom Berry. Merci, Got. En ce moment, ça joue, quoi. Oui, t'as gagné ton Berry en tournoi, effectivement, online. Ouais, ouais. Ah ouais, mais après, il est revenu, mec. Il est revenu dans ma room et il s'est appelé Revanche. C'est vrai ? Il m'a battu 2-1 avec Snake, mec. Il a pris Snake. Ah oui, bon, d'accord, il a pris Snake. Ouais. Bah ouais, mais c'était... Ça se faisait. Ça se faisait. Ok, ici, on a donc une confrontation entre deux boules. Oh. La jaune, la rose. Et n'empêche que la rose met sa petite pression sur Kirby tout frame ici. Non, c'est pas du tout un tout frame, je sais pas. Oh oui! What? Il est chaud! Il joue! Et en fait, là, c'est juste Gluto, lui aussi. Ça faisait longtemps qu'il avait pas joué contre toi. Il est deg, il s'est pris son petit Kirby, bro. Alors là, il va falloir camper, bro. Il va falloir camper, campeado. C'est vraiment un combat de boules, ça me fume. C'est beau ce machin, quand même. C'est beau hein, de pouvoir faire à tout le monde. Oui, t'as pris la cloche, hein. Ah, il joue bien. Ah ouais, franchement. Clairement bien. De se faire surprendre là-dessus. Ouais, j'avoue. Du coup, pour comeback, je vais devoir bien camper, mais ça va être dur. Non, non, fume-le. Fume-le, campe tout ce qu'il faut. De toute façon, c'est un BO3, hein, par contre. C'est un BO3, non, non, parce que si je commence à faire des BO3, les gens qui snipe la red, mec, tout le monde va vouloir venir. Oh putain, il s'est... Oh, le mec, il a tout donné. Il a tout donné. Il joue le BO, hein. Il joue bien agressif et tout.
Ok, bien joué. Comment comeback, comment comeback. Ok, l'eau. Ok, peut-être. Arnaque. Ce match, c'est jamais terminé. Oh, j'ai mal joué. Quoi, c'est safe backer? Incroyable. On apprend tous les jours. Là, j'ai bien forcé. Là, il va vouloir un smash. Ouais. Ok, ok, on commence à comprendre ce qu'il cherche. Ok, bien joué. Oh, bien joué. Oh. Non, fort. Surprenant. Surprenant ce cœur. Non, il est surprenant, il a tapé. Je pense que j'ai compris. I think. Ah non, c'est BO3, il faut que je m'adapte. C'est BO3, Non, bien vu. Non, j'ai. Got it. Putain, il faut camper, mec. Il faut camper, je n'ai pas le droit de pas camper. Pardon, j'avais plus. Putain, JD est tellement fort. JD est tellement fort, t'imagines, c'est JD. JD, puis c'est Rinem, il est rentré dans l'arène, il a dit vas-y, je vais le pulvériser, j'étais pas MG JD. Et c'est parti pour mettre la tente. Ok, let's go. 1-0 dans ce BO3 pour la boule rose ici. Contre cette magnifique boule jaune que vous voyez qui se déplace bien, qui vient chercher des fruits, qui met un bon shield ici, mais finalement il n'y avait pas tant de menaces. Un Dumpy qui tue ce Kirby. Un SD, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est bizarre, il est descendu très vite, il a pas cancel, je sais pas. En fait, il a juste voulu... il pensait que j'allais Rico comme ce que j'ai Rico avant, sauf que bah j'ai pas Rico. J'ai juste mix-up et ça l'a fucked up. Il a pas Rico, il a mix-up et ça l'a fucked up. C'est les mots de notre futur gagnant, messieurs dames, que vous voyez actuellement. Je l'ai un peu surpris, j'avoue. Attends, c'est un peu un druide, hein, là, avec ta petite bouche. Ah, il connaît le machin. What the fuck ? Il connaît le truc. Qu'est-ce que je branle ? Boum. Ok. Camping hard. Camping hard, bam ! Bon, camping paradis. Bam ! Le up smash, qui tue pas, mais pas loin, le coffre de Zelda qui descend, c'est pas d'où il vient, boum, le fer qui touche ici, bam, le druide, cloche qui touche en haut, short up, c'était un baquet, non c'est un baquet, ah par contre, ah ça a appris à lire entre temps, le joueur adaptation, comme on l'appelle, il va dumber, non. Allez, là, ça va être la stock de l'honneur pour Raoult. Ah. On prend ses cerises. Il est mort. Oh, il connaît. Oh, ouais. Bon. Oh, t'as vu, c'était bien placé pour éviter qu'elle... Ouais, mais en fait, c'est vraiment trop dur. Genre, si t'es pas placé... En fait, si tu contestes pas avec ton B pendant que je fais le setup, t'es quasiment mort à 99%. Ok, 1-1. GDL. Ouais, mec, t'as téléchargé giga vite, par contre, t'es fibré. Je suis fibré, mec. Je suis sous fibre. Ouais, mais non, tu sais que quasiment chaque fois que tu vas revenir, il va tenter un petit down B peut-être. En fait, il est très, très. En gros, il est agressif et le match-up est très dur si je joue pas au jeu. En fait, si. Si je joue un peu beau jeu et que je go in et tout, tu peux laisser Raoult mec pour la dire. Pardon, excuse-moi, à chaque fois je zappe que c'est moi aucun qui... Prom, en fait, mec, aucun prom, mec, aucun prom. Mettre... Ouais, prom. En fait, je dois juste jamais approcher, quoi. Ok, 1-1 dans le BO3, mais bon, la dernière game, tu l'as quand même, tu l'as un petit peu calmé, c'est ce que t'es en train de faire ici avec une belle phase. Oh, c'est par contre cette boule rose, quoi. C'est vraiment... Wow.
T'as déjà rencontré des... Non, faut que tu te focuses par contre, ok. Ouais, vas-y, vas-y. Des, genre, des main Kirby. Ouais, il y a un mec qui s'appelle Je suis Choc, qui est vraiment très fort, qui a déjà battu Gluto en Winner's Side. Et, okay. Et c'est un excellent joueur de Kirby, et c'est le meilleur Kirby français, voire même le meilleur Kirby européen, il est vraiment trop fort. Et on a en France, on a un autre qui s'appelle Wador, qui est vraiment chaud aussi. Il y a des joueurs de Kirby. Okay. Il y a clairement, il y a Night Pixel, il me semble aussi. Donc ça joue quoi. C'est quoi les faiblesses de Kirby? En fait, je trouve que le perso déjà, il galère un peu à approcher. Alors, c'est vraiment un perso où il a pas trop de range quoi. Il a pas trop de range et... Il a des petits panards quoi. Il a vraiment des petits panards et je trouve que c'est un perso qui est très... Une fois que tu connais un peu le match-up et que tu sais ce qu'il cherche dans le neutral et tout, c'est dur de se faire avoir tu vois. Mm. Je trouve que c'est vraiment un perso qui ouais, ça souffre, surprend difficilement. Ouais. Oh, il aurait pu tech. Ah c'est dur à tech ça. Oui, je rigole. J'en mets jamais des techs comme ça. Genre. Et à chaque fois je dis ah fallait tech, dommage bon. Il va down. En vrai, ça, il a mix-up, hein. C'est sûr, ouais. Et il y a JD, j'avoue, il y a JD aussi qui main Kirby, ouais, c'est vrai. Je sais pas s'il a rejoué depuis la dernière fois qu'on a joué ensemble, quoi. C'est le truc. Après, JD, il joue dans sa tête, il est tellement fort, il a pas trop besoin d'allumer le jeu, quoi. C'est un peu notre coach à nous. Bah, c'est un peu, tu sais, les mecs qui jouent aux échecs dans leur tête. Ouais, il connaît parfaitement. Si c'était un combat mental, 100% il gagnait, tu vois. Pas clairement. Ok. Oh l'enfer. Oh il est tellement conditionné peu cher. Oh. GG Raoult. GG. Incroyable. Ça rebondit une fois et ça part sur le côté, ça tombe. Ouais, ça tombe. ça fait poup poup poup. Oh, franchement, il a quand même bien joué. Hein. Sa première game, il était surprenant. Hein. Grand respect, Raoult, grand respect. Bon, grand respect. Grand respect, Raoult. Hop, OMG, c'est mon Steve contre toi, bro. Je crois que Raoult... Non, c'est bon, il est pas, c'est bon. GG Raoult. En avant. GG. Quelle heureuse rencontre. GG Raoult. Avant le combat. Merci Raoult. C'est trop bien. Ok. Bravo. Ok. L'enfer de ce personnage. L'Enderman. Steve! Qu'est-ce que tu vas nous faire le petit Raoult? Il va aller miner comme il fait avec ses copains tous les après-midi ces derniers temps. C'est super. C'est bien Raoult. C'est trop un perso. Oh non, j'oublie tout. Qu'est-ce qu'il fait? Merde. Ok. Il va mettre son enclume. T'as tellement compris le MU. Le MU. Ok. Attends, mais laisse-moi respirer, non? Mais attends. T'es un Steve le Slayer MU. Steve Slayer. Non. Non. Quel enfer. Allez, reviens par là, toi. Tu nous fais chier avec ton Steven. Oh non. Le backer. Oh non. Je vais l'empêcher de farmer, il s'est retourné, il m'a pulvérisé. Ah oh oui. Bien joué ça. Putain faut... Sa petite lave là. Tiens. Oh oui non. Oh oui. Non. Il faire abord par ça quand même. T'es mort bro. Bah là oui. Ça c'est ton down smash non. C'est up throw.
C'est un grab. Ah oui, c'est ton... Ah mais oui, oui. Ah oui, non, ton on smash, c'est la lave. Non. Wow, 65%. Le setup est fou en vrai, par contre. Le Steve Main. C'est... Oh a... je peux drifter ça. Bah non, c'est... Je pense que tu peux SDI up, genre mash ton joystick vers le haut, mais... Voilà. Oh, reste dur. Ah mais regardez. Juste, l'avez-vous vu? L'avez-vous vu, le Steve Main? Mes putains de blocs. Ah, c'est trop chiant, les blocs. Je peux tech, ça? Oui, tu peux tech. Oh là là. Ok. Tu joues encore à Poké Clicker? Bah là, il est ouvert à côté de moi, bro. Oh mec, j'ose pas DL, moi. Vraiment, j'ose pas jouer au jeu. En fait, j'ai vu ça... Y'a rien à DL, bro. C'est un site, t'y vas. J'ai vu ça deux minutes, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Après, faut aimer les clickers et ce genre de jeu, un peu farm, machin. Parce que bon, ça apporte rien, hein. Tu vois, juste... Bien joué. Juste, tu fais ta petite collection et tout, tu chill, t'as tes petits objectifs, petits suspense quand t'entends la notif. Ouais, tu dors pas de toute la nuit pour espérer qu'un Pokémon arrive, ouais. En vrai, non, mais non, ça m'est jamais arrivé. Après, moi, je suis vraiment au tout début, je chill, moi, je me prends pas la tête, hein. Mec, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait très peur. Oh, tu m'as effectivement fait penser que j'avais pas encore tout mis mon farm. Mec, Steve, en vrai. Thanks, bro. Ah, en vrai, j'aime bien. Mais joue Steve, régale-toi. Non, il faut que je change, il faut que j'alterne mon... Il faut que je monte des gameplays au chat. Qu'ils puissent découvrir parce qu'ils voient tout le temps les mêmes persos. C'est mon Falc, hein. Ah ouais. Des grands coups de genoux, quoi. Vous savez que c'est juste mon Falc, hein. Ça va être plein de mouvements, ça aussi. Ok, oui. Putain, mais vraiment, il faudrait tellement un main Falcon. Genre, le meilleur joueur du monde, imagine, c'est un joueur de Falcon. Le MK Léo, c'est un joueur de Falcon et il joue Falcon bleu pour la K-Corp. En mode blue. Là, c'est le Blue Falcon, c'est le cassé Falcon, ça. C'est vrai. Il a un faux de fou, hein. Falcon depuis toujours. Vraiment un personnage de fou pour le coup. Y'a pas d'autres skins bleus stylés? Y'a pas Lutena en bleu, c'est pas mal. Rob en bleu, c'est pas mal aussi parce qu'il a la couleur bleue. On a marre de pas Lutena aussi. T'as pas lui, on a un peu marre. Mais... T'as dit Rob? Ouais, Rob. Ah, mal, marre aussi des Rob. Y'a Rob en bleu, mais... Attends, mais mon Falcon? Ok. Ah non. Oh, la mauvaise lecture ici des distances. Donc shot. Quoi? Bizarre. Bizarre, ça. Oh, je vais me prendre un coup de genou. Oh oh. Okay. Oh non, je sais pas viser, hein, vraiment. Yeah. Yeah. Hey, hey. Yeah. Là, j'attaque de fou. Ok. Ok. Tu m'as bazao. Ok, ok. En vrai, c'est pas mal de jouer contre toi, comme ça tu joues plein de persos. Ça fait bosser plein de trucs différents. Clairement, en plus, j'ai des styles différents en fonction des persos que je joue. Donc c'est... Ça fait un peu une révision du bac. Pas mal, en vrai. Ouah, l'erreur. Non. Ou j'arrête ça. Ou j'arrête vraiment ce neutral B après le la F-Rose, ça. Ouais.
Oh mais la mobilité de Falcon, c'est vraiment une dinguerie, le perso. Ouais. Oh, et le river se perd. T'as vu ce que... Ouais, ouais, j'ai air dodge, mais... En fait, ça a mangé ton saut. Ça a mangé ton saut comme si c'était du une tarte à la pomme. Ah ouais. Ah bon, c'était la tarte à thym, quoi. Oh ouais. Ok. Ok mec, je vais jouer mon main, je pense. Vas-y. Quand j'étais aussi Evans, il y a des jeunes de 8 ans qui ont dit c'est qui ce random. C'est mon main. Ok Rayou. C'est... Ok, ok mon Ganon. Oh non, putain. Ok. Aucune envie de jouer contre un Ganon, quoi. Bah, tu vas sûrement jouer contre... Non, en vrai, si. Tu vas sûrement jouer contre la Gige. Non, finalement, non. Tu joues... C'est qui ton R1? J'ai oublié. C'est Wax. Oh, quoi. OMG, le Roy de Wax. Ouais, il joue Roy, ouais. Comme on a dit. Le Roy de César. Il est pas nul. Ouais, je sais, je sais. Je pense qu'il est pas nul, mais... You can do il it. Il est quand même... Il est... Voilà, il est faisable, mais... Clairement. Mais ça va être un beau match. Joueur de l'âme. Voilà, et en plus de ça, il est joueur de LAN, donc... Ouais, il avait 3 comptes Challenger en Corée, Fuck. Je peux pas passer par-dessus, putain. Oh non. Ah. Ok, ok. Oui. Tu m'as foutu saut, j'ai l'impression que t'as rebondi sur moi. Ouais, dans le chill. Roule pas. T'as bien fait. Faut pas, bro. Fais gaffe. C'est vraiment perso de fou. Ganon c'est... Oh bon. Ah c'est le perso de la punition hein. Ah mais vraiment. En fait c'est un perso... Juste le perso a pas de design, il a juste de l'avantage. En fait si t'as un avantage, ça fait trop mal. Mais là... Là pousse-moi là. Genre pousse-moi. Quand tu me corner, dash grab. Genre conditionne-moi à avoir peur. Là voilà, là tu vois c'était bien, t'as pas fait ton neutral B de... Ok ouais, de mort. De full gluten free. En fait il faut mettre du gluten. Vraiment il faut mettre du gluten, il faut mettre des trucs qui font mal. Genre tu sais il faut mettre des conservateurs de merde dans ton gameplay, il faut que ce soit bien lourd. Que ce soit genre bien, okay. Bien McDo, bien truc qui fait vomir et tout tu vois. Ok. Et ça c'est chiant. Je suis mort. Toi aussi. Genre vraiment il faut un truc genre bien, il faut que ça fasse vomir genre. Ok, faut que ça fasse vomir, ouais, mais c'est chaud. Et des fois, genre, après le grab, je sais pas trop quoi faire, mais c'est vrai qu'un dash, c'est pas mal. Tu vois, genre, des fois, t'as un gameplay un peu trop floral, tu vois. T'as raison. Un gameplay un peu trop souriant, un peu trop main dans le cœur. Alors que bon, on aimerait bien qu'elle finisse dans le cul, parfois, tu vois. Ok, tu veux que je. Bon. Bah, je vais mettre ma main dans ton cul, du coup, ok. Genre en full chill. OMG, c'est mon main. Va. OMG. Là. Ok, donc là je dois mettre la main dans le cul de Peach, ok. Vraiment, faut pas hésiter. Allez, let's go. Faut clairement pas Merci hésiter. Merci des conseils, bro. Par contre, c'est la princesse la plus belle là. Et. C'est ma Peach. Oh. Attends, c'est ton float dodge ça? Non, en fait, c'est le float, le fait de flotter. Ah oui, oui. Je vais passer au-dessus du. Oui, c'est broken. Mais c'est pas si simple. Ouais, enfin, par contre, ouais, c'est pas gratuit. Ok. Ok, tu m'as fait peur, j'aurais pété un peu. Ok, B, voilà. Il mâchait fort, hein, quand même. Il mâchait fort. Ouch.
Ok. Acha. Non. Hey. Naved. Non. Je crois que je pouvais remonter, hein. Juste, je sais pas jouer quoi. T'as pas eu le réflexe. Bah, j'ai kick après mon up-B alors que. Allez, jusque. Avec mon down-B alors fallait juste que je up-B finalement quoi. Ok, ok. Ok. Todd vomit dessus. Oh non. Merci. Merci mon ref. Comment le ref hein, Todd, pour le coup. On est rien. Hop. When we come in the club, all eyes on us. Hop là. Tous les yeux sont sur Peach. Oh. Non, des fois j'ai des uppers qui passent pas alors qu'ils pourraient faire trop mal. Ah, le upper de Peach vraiment, c'est le PIB des Émirats Arabes Unis. Hein. Ah ouais. Ah c'est vraiment le. C'est trop un move de fou. C'est vraiment trop un move de fou. En fait, ça fait quoi exactement? En fait, la portée du upper, regarde, la portée, elle est ridicule et le coup est hyper safe. Mmh. Donc c'est n'importe quoi, c'est l'un des meilleurs uppers du jeu. Ok. Hop. On est chaud. Ça se cherche. Oh, on est très très chaud. On a arrêté de parler de la dragonne de Shrek. Chacun ses goûts. Please. Et voilà. Y'a tout dans la dragonne de Shrek. Hein. Ah mec, c'est bientôt Mario Foot, hein. Oh, mec. C'est... Ouais, c'est 3 semaines, là, en gros. Ah, même pas, même pas, même pas, même pas. Même pas, deux hein. Bonnes semaines. Ouais, ouais. La bomba. Démolit le shield. La bomba. La bomba. Une chance sur... pas beaucoup, hein. Une chance sur notre Somény. Hein. La bomba. Mister Bombastique. Ah, c'est 0,4%. Bah, grand respect à moi. Grand respect. C'est quoi, c'est... T'as 0,4% de chance de sortir une bombe plutôt qu'un AV, ça? Yep. Ok. Et la bombe, ça tue. Mais genre, ça tue une dinguerie. Ça tue à genre 5%, je crois, ou à 10%. C'est vraiment ouais, ça break quasiment le shield quoi. Ouais, c'est vraiment trop puissant. Ok, mon Falco. Mon Falco. C'est ton Falco, j'ai déjà joué contre ton Falco, je crois. Ouais, en reçoit chez Lutte. Ouais, c'est ça. Ok. 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 Ok, 56% la phase d'avantage du Falc. Là, par okay. exemple, j'ai bien vu que tu dodgeais Gigato en l'air parce que tu me voyais partir. Sauf qu'en vrai, je sais pas quoi faire. Tu peux attendre et quand l'air dodge est fini, me mettre upper, me mettre peut-être nerf. Ouais, mais est-ce que tu vas sauter si tu me vois pas sauter? Après, je vais varier quoi. Mais ouais, c'est vrai, ouais. Mais tu sais que c'est une très mauvaise habitude que j'ai de ma chair dodge vite. Et je me fais. Ah, vraiment... Tu vois, je l'ai remarqué, mais je le punis pas donc ça sert pas à grand chose quoi. Je me fais hyper punir pour ça. Le spike. Oula. Il l'a fait. Parce que là, un peu comme contre Fox, ta recover, elle est quand même facile. Elle est vraiment exploitable. Hein. Ouais, tu peux punir de fou. Tu m'as vraiment cancel ça. Ah, oh ouais, non. Ça oh, c'est très grave. Ça spike le side B. Je savais même pas que c'était possible. Mon pop side B. Merde.
Bam. Bam. Oh non, ça tue, bien. Ça tue, fuck. Il bouge, hein, ce Falco, là. Oh. Ah ouais. Ah ouais. La fin de corps. Fin de corps. Et boum. Oh, putain, je me suis fait. Bon, la dernière, je me suis kill, mais les deux d'avant là, tu m'as. Bah, tu t'es démoli. Tu t'es un peu fait. Tu t'es un peu fait jambonnet. Ouais. En fait, t'avais bien joué au début, genre t'étais patient et tout. Et offstage, t'as vraiment paniqué. OMG. On en parlait. Une autre boule. OMG ma boule. C'est que je déteste jouer contre ça parce que genre... C'est trop chiant mec. Genre les airs et tout, j'ai l'impression que pour toucher, c'est de l'extra landing, c'est horrible. OMG la boule. Mec, trouve pas que le mois de juin, ça va être un mois de baiser sur Twitch. J'ai l'impression que y a des milliards de trucs qui arrivent. Ah bah moi déjà juste le Mario Foot en ouais, vrai après... c'est déjà j'ai un truc de baiser. Avec Mario Foot putain. Toi je sais que t'as pas mal de trucs aussi. Non pas vraiment dire ça ouais. Demain t'annonces pas un truc, y'a pas un truc comme ça. Non c'est lundi pro mec. Après demain y'a un... Oh putain je te l'ai même pas dit mec. Oh mec demain ça va te régaler. Demain y'a un truc de fou sur ma chaîne. Ah oui putain, je te l'ai pas dit parce que ça s'est fait au dernier moment. Ah mais tu vois mec je te dirai après. Oh là là. Oh là là. On va se régaler. Vas-y, en Vendée. Ouais, je t'envoie juste après. Ça te met très très bien. Non, je suis désolé, le chat, ça vous fait. Non, vous fait saliver le chat, mais je vous jure que ça dépend pas de moi. Je vous jure que si ça dépendait de moi, je vous l'aurais dit avec bonheur. Parce que ça, pour moi, ça sert à rien de cacher. Mais il faut respecter les gens. Et vu que les gens veulent pas qu'on annonce demain, c'est demain, tu vois. C'est pas... J'ai trop hâte de savoir du coup. Ouais. Okay. Non, mais je vous jure que moi en plus, je vous fais tout le temps croquer. Je vous fais croquer des trucs de fou. Vous pouvez tout le temps croquer, donc vous pouvez pas être en mode je vous la mets à l'envers. Ok. Non mais j'ai demandé si je pouvais et on m'a vraiment dit pitié attends demain. Donc bon je vais pas être... Je vais pas faire le bâtard quoi. Hop. Et boum. J'ai envie de savoir du coup. Ah ok, pas mal la score. Non. Oui, il fallait que je fasse une dash attack ou un truc comme ça. Dash attack, ouais, ou genre mix up. Oui. Non mais oui, mais demain vous avez compris quoi. On m'a dit demain après-midi quoi. Quoi, il y a un F-Smash qui prend. Oui, mais demain c'est demain 22h quoi. Ouais, non, c'est demain 20h. C'est demain 20h. Mec, tu sais que j'ai acheté une imprimante. C'est trop une dinguerie. Bah pour imprimer les factures et tout. Et avant j'avais jamais d'imprimante et je faisais imprimer des trucs chez Luthi et tout. Ah mais oui c'est vrai. Mais moi non plus hein, j'ai pas d'imprimante. T'as pas d'imprimante? Non. Non, si je veux imprimer un truc en vrai je passe dans une imprime... Enfin une petite imprimerie quoi, petit truc. Ah ouais? Ouais. Moi je me suis acheté une petite imprimante, elle est sympathique. Mais genre ça coûte pas une blinde les... L'encre. Bah moi mon imprimante scanner avec de l'encre je l'ai payé 100€. C'est une imprimante scanner. Enfin, je me rends pas compte, je connais pas les prix des, et genre, des imprimantes, quoi. Et genre, je me dis genre 100 balles. Ça va. C'est vraiment mais ok. Genre, mais genre, tu t'en sers vraiment... Mec, j'ai trop de trucs à imprimer. Bah là, tu vois, tout à l'heure, j'étais avec mon comptable. Et le nombre de trucs que j'avais imprimé, j'étais en mode... Oh putain, heureusement. Heureusement qu'il est... Oh, ouais. Bah, en vrai, non, moi, je vais... Merde. Ah, je suis mort. Et boum. Non, moi je vais pas très loin de chez moi, tu sais, un petit truc d'imprimerie quoi, ça coûte rien, quelques centimes, mais c'est good. Hop. Franchement, tu vois, 100 balles, je me dis, faudrait que je vois exactement combien je paye. Ouais, moi c'était un page. C'était un 100 balles. Ah, let's go. Ok. En vrai, okay. Stylé. Ouais, c'est trop stylé. En vrai, c'est trop stylé. Mais du coup, j'ai envie de t'en parler, c'est horrible.
Ouais, non, c'est trop marrant. C'était ça le truc. Hop. On parle en DM, on est infâme. On est vraiment en train de parler en DM. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Le pire streamer que la Terre n'ait jamais porté. Vous savez que là en plus, ça c'est des lives en. On est vraiment en mode live entre nous quoi. Tu sais, genre on est chill. On est entre nous. Ça devait pas avoir lieu, mais. L'enfer. L'enfer, c'est bon, c'est bon. Vous aurez des nouvelles, mais en fait vous serez content demain et voilà quoi. Vous serez très content demain. Genre juste, oui. Vous serez très content demain et. Toutes c'est... les personnes là, je pense vraiment. Ouais, et c'est pas de ma faute. Juste dites-vous que c'est pas de ma faute. Ce sera pas moi qu'il faut hate. Oh, je... bâtard. C'était pas voulu, mec. C'était vraiment pas voulu. Je voulais juste revenir sur bâtard. Le village. Bâtard. Oh putain. M'a baisé. Oh, ça touche pas. Ok. Hop. Ok. Ah, Yoshi, c'est vraiment. C'est vraiment un perso bizarre. C'est un monde. C'est Zarbi. Y'a un mec au Wanted. Bon, j'ai fait que deux Wanted depuis le début, mais à chaque fois il est là. Et en fait, il mène Yoshi depuis Melee 64, mec. Et c'est qui? C'est quoi son pseudo? Je sais plus son pseudo. C'est un mec fort? Bah du coup en fait vu qu'il joue depuis bah maintenant ça fait plus de 25 ans. Bah ouais, il a forcément un niveau parce qu'il a des fondamentaux de fou. Après tu sais, c'est pas un top joueur. Ouais, c'est pas. Il y a un top player qui joue Yoshi. Non, je pense que c'est pas lui. Bonjour, ça joue contre top player ici. Ah Gluto, si tu veux venir, enfin vu que tu viennes et que je te casse la gueule, c'est possible. Ah je peux te laisser train avec Gluto quoi. Non mais tu veux faire un petit BO3 Gluto, ça fait longtemps qu'on a pas joué. Pourquoi BO3 BO5. Parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'il voit mes progrès. Parce que ça a été un peu mon. Ça a été mon premier coach. J'aimerais bien qu'il voit mes progrès parce qu'il y a de l'amélioration. Je vais pas te mentir. Il y a de l'amélioration, il y a du progrès. Hop les. Et boum. Et boum. Oh ! Quoi ? Et boum, le spot dodge en balle. Et en balle. En balle. Voici le attaque. Ramène ton cul, William. Tu vas pas me dire t'as un truc à faire là. Il est minuit. Là. Après, c'est vrai qu'il est minuit. Normalement, il dort lui. Je pense qu'il doit être dans son lit en vrai. Je suis chaud pour tourner à 3. En vrai, si vous acceptez qu'un top 20 FR comme moi joue avec vous. C'est vrai que t'es top 20 FR avec selon les rankings. Hein. C'est que selon les rankings, il est top 20 FR, donc c'est quand même abusé. 17ème au dernier Wanted, ouais, tu m'étonnes. Moi je trouve, bon, ça quand même un peu abusé qu'il ose venir, mais... Vas-y, why not. Gros, c'est dinguerie, il est top 20 FR en ayant gagné le pound, ça me met trop bien. Bah franchement, c'est mérité. Hein. Non mais vas-y, viens, mais on jouera pas nos mains, quoi, c'est sûr. Ouais, bah viens, enfin, moi je peux te proposer mon Yoshi, mais bon, je sais pas si je peux sortir Pac-Man pour toi, quoi. Oh mon Yosh. Est-ce que t'as le Discord de Pouf? Vas-y, on fait une combine sinon. Pouf. Wow. Mais moi, faut pas trop que je tarde, hein, parce que moi, en vrai, minuit, en général... Ta gueule, pense ta gueule. Ok. Ta gueule un peu, c'est bon, okay, mec. Okay. T'as quoi à faire demain, à part être une star? Sympa. Qu'est-ce que t'as à faire de ta vie à part être Pocket Kicker? Je vais jouer au bowling, mec. J'ai des top 1 à faire sur le bowling. Je crois que tu te rends pas compte du niveau que ça demande. De précision, d'investissement. Je crois que tu te rends pas compte, hein. Et j'ai peut-être un PB Zelda Breath of the Wild pour entrer dans le top 200 FR. Wow. 200 monde, pardon. Ah oh, ouais, parce que top 200 FR abuse un peu. Non, top 200 FR, on y est depuis bien longtemps, non, bien sûr. Top 200 FR, c'est bon, je veux bien que tu sois slow runner, mais... Je t'ai ajouté en ami, Gluton. On n'est pas en ami sur Discord. Sinon, je peux pas t'add. C'est un musique bourrin. Soit pas en ami sur Discord, après moi j'ai du mal à accepter les gens qui sont pas top players. Ponce, hop, ouais. Pluto. Hop. Attends, je crois qu'ils refusent les... Là c'est bon normalement.
Salut chef. Ça va? Ça va et vous? Yo yo yo. Putain mec, tu as pété un plomb. Hein. Tu as pété un plomb sur mon amélioration. J'attends que ça. Tu as pété un plomb, tu as pété un plomb. Tu vas pas me reconnaître. Donc qui compte quand même. Non mais c'est impossible de battre ton DK. Ah non, j'ai eu peur. Ah. Mais tu sais que je pense que ton DK est plus fort en online que ton oui, Wario. Oui, oui. Ouais. Non, 100%. Largement. 100%, y a pas de débat. Oui. DK en Wi-Fi, c'est tellement bien. Ah, oh, c'est trop plaisant en fait, c'est le même perso qu'en offline. Y a rien qui change. Et c'est pour ça que Sirov il fait vraiment des dingueries. J'ai beaucoup plus de mal avec son DK qu'avec sa Pyra. Après Pyramitra c'est bizarre comme perso en vrai, hein. Je sais pas quoi en penser. Bah tu sais que le match-up, moi je trouve que le match-up est un peu pour Pac. Ah ouais. Ouais et Sirov est d'accord. Et à chaque fois que je dis ça on prend pour un... Doute. Ah tu doutes? Ah. Doute. Après mec, bah, tu connais pas trop le jeu. Mais... est-ce que t'es mieux rank que moi en France? Bah t'es un fou. Y'a rien. Non mais ça se trouve en vrai. Ah. L0N16 et mot de passe. Oh putain ponce, je veux pompon gluto un premier match, c'est parti. Ah mais surtout que moi je vais au moins aller dormir hein, les copains. Non, tu vas pas dormir. Si. Bon vas-y non, vas-y non mais vas-y vas-y juste. Petite game, juste, petite game. Petite game contre un top 20 à faire. Let's petite go. Game. OMG Gluton, on dose un peu après. OMG. Bah oui, dosez moi. Aucun respect. Il y a 50 ans qu'on a pas joué en plus. Ouais, c'est vrai. J'ai même pas joué contre toi à l'eSpot. En ce moment, je passe ma vie à jouer contre Léon. Ah ouais? Ça va plutôt bien t'entraîner du coup. Ouais, mais il est trop fort contre Pac-Man, c'est trop frustrant. Je trouve tellement fort contre Pac-Man. Ouais, il y a vraiment des persos... En fait, quand il connaît vraiment bien le match-up, et que t'es moins fort que lui, tu peux pas jouer. Ah c'est impossible, ouais c'est trop dur. Bah après là maintenant, je peux lui prendre des games. Comparé à avant où c'était impossible. Mais c'est très très dur. Genre c'est, en fait, genre quand je prends une game c'est que j'ai une grosse rig des... Ouais. Vas-y j'arrive, t'as mis... Ouais j'ai mis à open. Que lourd. Parce que j'étais sur mon petit Ring Fit Adventure là. Attends quoi, t'as joué, tu joues à Ring Fit? Mais c'est incroyable. Pourquoi vous rigolez? Ah ouais tu joues... Mais j'ai joué. Ah oui, t'as combien d'heures de jeu et tout? Au total, j'ai 2-3 heures. Oh la gueule du ah mec! Ah oui, tu commences. Oui, enfin, en fait, c'est commencer sans commencer parce que tu sais, tu fais pas plus que 20 minutes par jour. Hein. Oui, c'est vrai, oui, tu peux pas passer 4 heures dessus quoi. Non. Mais en fait, le truc, moi j'avais testé, je trouve ça pas mal parce que bah, ça te fait bouger et il y a un vrai objectif avec des mobs, des trucs à récupérer et tout, c'est vrai que c'est pas mal. Mais au final, bah, le gameplay il est forcément répétitif vu que tu fais des répés quoi. Genre de sport. Ouais, bah du coup c'est pour du sport quoi, c'est pas le gameplay. Ouais non c'est vrai mais du coup c'est vrai que si je veux faire du sport, moi je préfère aller faire du sport que le faire sur la Switch. Ouais j'avoue. Ok. Bah moi je suis plus du genre à faire du sport, tu sais, avec un sport d'équipe, genre du foot et tout. Ah oui, mais c'est chaud. Si c'est tout seul, j'ai pas envie d'aller courir tout seul. Hein. Oui. En plus ça t'entraîne, je pense que pour tes bras. T'as des soucis en ce moment pour les bras. Exact. Et tout. Juste le fait de bouger un peu, faire des mouvements différents que quand je suis assis en train de jouer et tout. Ça ah oui, de fou. Oui, de fou. Après, faut pas se faire mal non plus. Mais... Oh, je vais sortir. Ah oui, mes deux mains en Wi-Fi. DK et Link, non? Ah là 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 là. Ah là, 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 là. Non, il est horrible son Link, mec. Ça va être avec son Link, il est horrible. Oh, je l'ai joué vite fait avec contre Sakor. J'ai découvert des trucs. Pouah. Oh, il est horrible ton Link. Je vais mettre 10 ou 25%. Quand même pas. Non, en fait, ce qui est. Oh, le Wi-Fi. Ouais. Ouais, il a quand même bien dosé, genre. Enfin, ça se voit qu'il pourrait être fort, mais il joue pas beaucoup au jeu. Oh, le Wi-Fi, ça m'avait pas manqué. Je crois que j'avais mon ennemi, pardon. Bien joué, mec. Belle stock. Bien joué à toi. Et t'es pas en Ethernet? Si. C'est mec, quand tu passes ta vie à jouer en off. C'est ça, exactement. Le Wi-Fi, c'est un peu bizarre. C'est sexy tout ça. Non, t'as vraiment tenté, sale chien. Le harceleur. C'est exactement ça, Moulin, c'est un harceleur. Alors normalement, ça balance des cuisines. Allez hop, mode cuisine activé. On peut faire de tout avec Link. C'est horrible. Tu l'as jamais joué en tournoi? Si,
Et j'ai... j'ai fait des dingues un peu. Ah oui, putain, j'ai contre Orion. Trim. Ouais. Alors, Orion, Trim et Neochronos. Et ah oui, Maeda en grande finale d'un tournoi, je l'ai 3-0. C'était encore plus facile qu'avec Orio. Link, il a duré si longtemps ce dodge. Je pense que ça a duré 15 ans. C'est impressionnant. Hop. Ça va jump. Des mouvements. Oh, ça, c'est de la punish. Ah. C'est vraiment. Quand t'as un gameplay comme ça, t'es trop chiant parce que tu fais que tourner autour. C'est horrible. C'est que de la couverture d'options, ouais, c'est horrible. Hop là. Ok. Non, j'en étais sûr, j'aurais jamais dû finir. Oh non, 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 pas l'overextend. Overextend. Il dure combien de temps ce donner d'ailleurs? Longtemps. Okay. 1000 ans. Longtemps. Okay. Bon, en vrai, BO3, parce que t'as peut-être upset sur une game, mais. Non, il a peut-être ça, ouais. Aussi, enfin, le stage c'était PS2. Donc, ouais, en vrai, PS2, je déteste. J'ai aucun feeling avec. Ouais, c'est trop nul sur PS2. J'en ai aucune idée, mais. Non, c'est vrai. C'est moi non plus. Mais toi, par contre, j'ai vraiment l'impression que tu bannes les stages au hasard quand tu joues au jeu. Hein. Qui? Non mais toi mec, il y a des fois où tu pètes des plombs quand tu joues, quand tu bannes les stages. Ah, tu comprends pas mes choix, c'est tout. Non mais attends, contre Chag, ose me dire que t'as pas pick BF juste parce que t'étais en mode vas-y, il m'a battu une fois sur BF, je vais lui montrer ses kills papa. Mais jamais, je te jure, c'est juste je t'avoue, mais c'était pas par rapport à... Non, j'avoue, sûr que... c'était pas optim, On était sûr que c'était de l'ego, alors t'avais fait ça en mode vas-y, de toute façon c'est pas le stage le problème, mais... Non, c'était vraiment, je savais pas et je me disais que, en fait, vu que je me faisais fumer, je comptais un peu sur mes combos waft. Mais finalement, je les ratais tous finalement. Mais maintenant, tu les réussis largement plus les combos waft. Ouais, j'ai trouvé des trucs. Disons que déjà, j'étais très stressé quand j'étais là-bas. Donc ça me les. Enfin, c'était beaucoup plus difficile pour moi de les réussir. Je suis moins stressé et en plus, je les fais. De manière plus constante maintenant. Je sais quand les tenter et quand ne pas les tenter. C'est pour ça que parfois vous avez l'impression que j'aurais pu tenter un waft, et que je l'ai pas fait et que j'ai raté un truc, mais en fait c'est juste c'était très peu probable que j'y arrive donc je le fais pas. Ouais, surtout qu'en plus c'est tellement un fear factor de baiser. C'est ça. Je peux pas me permettre de le louper bêtement. Hop là. Pouah. Il joue ce Link. Pouah. Ouais, il sort d'où ce Link, tu l'as déjà vu en online En vrai, ouais, c'est son perso online. En vrai, il a deux persos online, c'est Link et DK. Ouais, exactement. C'est mes mains. Moi, je fais ça demain sur Breath of the Wild, tu vois. En shield. En shield total. Ok. C'est horrible. C'est la guerre. Tu sais qu'il y a toujours... Ouais, il y a toujours un projectile quelque part. Genre, toujours il y a un truc quelque part. C'est ça, c'est le but. Ça couvre tout. Oh, le match de fou. You. Wow. Non. Non, il veut me clipper, ok. Ok. Oh, la tentative. Ah, ça couvre tellement d'options, c'est horrible. C'est horrible. Putain, t'aimes trop ça, toi. Bah, quoi. T'aimes trop. C'est pas le Link de Wingo. Oh les bâtards. Oh les bâtards, il a 9 heures de jeu. Oh les bâtards, il a 9 heures de jeu, ça le compare au top 17 FR. Oh le pauvre. Top 13. Top 13, ah, t'es chaud mec. Il y a des gens qui ont des culs, du coup je suis 13. Putain, top 13 FR. Hein. C'est parti. Ah, vous entendez trop ma manette? Je peux... Non, jamais trop mec. En vrai, t'inquiète, c'est pas dérangeant. Ouais. Non, mais tu sais, j'ai le RTX Voice, je peux juste le mettre. Ah. En vrai, bruit de manette, je trouve pas ça dérangeant, tu vois, bizarrement. Moi non plus. Ouais. Mais après, peut-être au micro, ça apparaît. GameCube manette, ça fait plaisir. Ouais. Ah, j'ai raté. Hop. T'as de la chance, je t'ai pas tué. Ah, t'as raté, mec, hein. Oh, c'est raté. Je danse. Oh non, ça tu sais faire.
Ok, très bon Lestra. Je crois qu'on tech pas, mec, ou... J'avoue, tu tech tout, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Bim tech pas. Oh, il pensait... J'ai raté. Putain, t'as vraiment pris Link, je te déteste. C'est mon main. Quand j'ai joué contre Link à 3 ans, j'avais vraiment envie de crever, moi. Ah ouais, tu t'aimes pas le perdre. Bah en fait, c'est trop dur le match-up, je trouve. En fait, c'est un match-up qui demande trop de patience et trop de... Oui. De compréhension des trucs. Alors tu dois quasiment jamais commit. Ok. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bah je joue, mec. Patience. Hop. Ah oh, tu cours avec... Non, c'est fort, c'est fort, c'est très très fort. T'as de l'avenir sur le jeu, mec. Top 13, c'est pas pour rien. Bon, tu mérites peut-être top 10, hein. Ah là, t'exagères quand même. Ouh, oh, t'as F-tilt. Sniper, sniper, sniper. C'est raté, mec. Sniper. C'est raté. C'est infernal, ça s'arrête jamais. C'est raté. Ok, mix-up de Reko. Oh le fou. Le parieur. Oh le nerf de fou. Ah. Zioup. Zioup. Portable, c'est flèche. Tiens. Oh le tilt. Tiens. Putain. J'ai pas le lead contre lui, c'est FF. Ok. Zioup. Pourquoi il rigole en disant top 13? Ah oui, alors pour ceux qui connaissent pas, on est contre Buto. Qui est le meilleur joueur de France, le meilleur joueur d'Europe. Et actuellement, selon les gens, top 3 mondial au jeu. Mais mais, top 13 en France. Mais en fait, vu qu'il a pas trop fait de tournoi en France, les gens disent qu'il est top 13. Parce que, en fait, selon les rankings en France, il est top 13. Mais c'est pas vraiment... Mais ça veut absolument rien dire. Oui, c'est pas ce que les gens de la scène diront, quoi. Hop là. Pour le punish que tu fais. Oh genre, tu charges. Ça tue pas, quoi. Hop. 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 Ok, je mix up. Oh, wow. C'est horrible. Oh, le mix c'est horrible. Wow. En plus, tu l'as même pas posé. Tu l'as lancé extrêmement haut. Elle est retombée. Wow. Ouais. Wow. Ok. 1-0. Ok, je m'adapte. 1-0. Bon, je vous laisse là, par contre. Je suis mort. Bisous, mec, t'es le sang. Bisous, c'était très cool. Et j'espère que Gluto, on aura l'occasion de rejouer, en vrai. Ouais, ça apprendre, quoi. Ce serait lourd. Et là, samedi, mec, ou pas comme ça. Non, en gros, là, je pars demain à Lisbonne et je reviens... Ah si, bah si, du coup, je serai là samedi. Je reviens samedi, en fait. Tu as... Du coup, je passerai. Joue. Je passerai. Vas-y. Tu vas avoir le... le tournoi. Bisous, mec. Bonne nuit. Merci de passer. Ouais, mais... je pourrais pas être là pour faire le tournoi, mais je pourrais pas passer au tournoi. Il y a le tournoi des streamers à 18h, ça va être marrant. En vrai, de vrai, je trouve la co, elle est bien. Bah, j'ai vraiment une co de baiser. Du coup, c'est cool à jouer. Ok. Oh. Allô? Eh ouais. Hop, c'est les... puissant. Tiens. Oh, le nerf de Link, c'est vraiment, ça paye des factures. Ça fait tout. Ça paye trop les factures. Les gens jouent mieux quand même autour maintenant. Mais avant, c'était juste spammable à l'infini. Quoi. Après, je trouve quand même le... Nous, en France... Putain, je suis con. En France, on a quand même une grosse connaissance de Link comparé aux autres pays, je trouve. Ouais, bah on a quand même vu 3 Link. On en a 3, quoi. Donc, il y a des styles différents, on connaît tout, quoi, pratiquement. Bon, après, il joue demi-link, je trouve. Et ça, c'est un autre débat. Dans quel sens? Il utilise pas toutes les forces du perso. Après, ouais, le... Genre, tous les frame traps et le combo game et le pressure game du perso, il n'existe pas avec... Aromi, bien sûr, Nair. Mais il utilise pas du tout assez la pression qu'il peut mettre au corps à corps. Le set play, etc. Ah, c'est vrai que le set play avec le perso, c'est... Abusé. Ih. Oh, je suis con. La patience.
Ouais, je... T'as joué contre qui, quoi. T'as joué contre qui, quoi. Tu fais pas mort comme ça. Je connais 2-3 trucs. Ouais, putain. Tu as SDI ou... Non, pas besoin. Ça, je suis pas connecté. J'ai appris la SDI du coup là récemment. Je le faisais quasiment jamais. Et c'est incroyable. T'as appris comment faire ou genre ouais, j'ai appris comment faire. Enfin, quand et comment. C'est Echo qui m'a appris comment le faire. Et ça m'a fait gagner mon set contre Tom Berry. Ça m'a full carry. Il m'a pas mis un seul combo. Dans quel. Avec Bayonetta. Ah oui. Vraiment, c'était. Ça m'a trop carry. Drift, mec. Ouais, joli drift. Oups. Ah, t'es smart. Eh non. J'ai que des multi-hits. Eh non. Ah si, down smash, c'est vrai. Allô. Oh non. Que s'est-il passé? Oh, c'est joué à rien, frère. Oh, ça s'est joué. C'est à que dalle. Oh, l'injustice. Ponce qui nous observe dans le silence. Ponce que là, je pense qu'il est en train de manger, il se régale. Mec, c'est que tout à l'heure. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, j'ai appris qu'on pouvait faire du riz au micro-ondes. Oh, pardon. Quoi ? T'as jamais fait du riz au micro-ondes ? Mais qui fait du riz au micro-ondes, frère ? Ah ouais ? Attends, t'as. Mais mec, en micro-ondes. Mais t'as déjà fait du riz au micro-ondes ? Ah ouais ? Tu peux mettre, tu sais, les trucs de Uncle Ben's. Après, bon, c'est pas ouf, mais. Oui. Mais genre du riz normal, tu sais. De... Pas déjà prêt. Ça reste éclaté, mais. Ah, du riz pas déjà prêt? Oui. Ah, non, ça c'est une catastrophe par contre. Et du coup, moi je l'ai testé parce qu'un viewer il m'a dit que c'était un truc de fou, technique de malade et tout. Et c'était bon? C'était en direct. C'était mangeable. Mais ah ouais. C'est pas un truc de fou. Si vous avez rien, pas d'autre solution, bah vous pouvez faire ça, mais. Pas fou quoi. Ah! T'allais dire quoi? Est-ce que après tu peux prendre Lucina? Ça te dérange pas? J'ai un gros problème, mec. Je sais pas jouer contre et ça me tilte trop. De tous les... En fait, à chaque fois que je joue contre Nassim, j'ai l'impression que ma vie est finie. Et je sais pas pourquoi. Et ça me fait ça contre aucun autre top. Vraiment. Okay. Et en gros, je ne sais pas. Après, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué, mais vas-y. J'arrive pas à jouer contre personne. Il y en a marre de Link. Hein. On va se voir, tu fais le carry banner. Le carry banner. Ouais. J'y vas ? Bah, c'est moi qui host. Oh, stylé. Je vais te commenter, mec. Je vais dire que tu fais des slingshots alors que t'en fais pas. C'est très stylé. Dès que je me retourne. Oh, le slingshot ! Oh là là ! Oh. Ok. Qu'est-ce que. J'ai pris ta bombe. T'as pris ma bombe. Quel voleur, tiens. Prends ma bombe. Hop là. Oh, mais c'est un slingshot là. Mais oui. T'as remarqué? Tu t'entraînes, c'est ça? Je sling, mais. Oh, t'es chaud. Et... En vrai, ça joue. Bon, je fais un peu Lionkli des fois contre Link, mais.
moins les conneries qu'avant. T'as appris, t'as appris. On traîne quoi, on traîne, on essaye de... Oh non, mais c'est bon. C'est bon, monsieur. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh non, super à moi. Oh la tech. Non, non, je savais, je savais. Tu m'as pris vraiment. Tu m'as pris vraiment pour le roi des Yanks. Eh mais... eh ouais. Je m'habitue. What? Eh ouais mec. Tiens. Ah, ça dégoûte. Mais qu'est-ce que... Regarde bien, regarde bien. Je peux pas. Eh eh. Je vais déjà faire une idée. Eh eh. Prime trapping. T'es mort. Oh c'est bon Vince. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Vince. Ah, le cul. Non, mais Mixed, grand respect à toi. Mais perdre 3-0 online contre ta Lucina, ça m'a moins trauma que perdre 19-0 offline contre la Lucina de Nassim. Non, mais je veux bien que tu veux que je le dise, parce que ça te fait du bien et du plaisir. Mais j'ai été trauma. C'est pas trop toi. Parce que je peux te dire que quand Léon il vient te voir avec sa veste en cuir et qu'il te dit « Salut mec, tu veux jouer ?» et qu'il te met 19-0 oh, et que tu prends pas une seule game et qu'il te dit « Oh non mais pourtant le match-up je le connais bien mais il faut juste que tu tapes un peu moins. » Et tu tapes moins et tu te refais 3 stocks, c'est chiant. Mon dieu, c'est la pire imitation que j'ai jamais entendue. Toute imitation confondue. Ah non, en fait le match-up il est extrêmement simple. Oh hein. La vache. Oh le fou. Ah c'est... Je suis pareil. Arrête, tu parles pas comme ça. Ah. C'est vraiment lui. T'es un bâtard. T'es un bâtard. T'es un bâtard. Hein. Oh Mika, Mika. Oh putain, t'as vu le docu toi en plus? Ouais, oui, t'étais là. Bah ouais. Tu te souviens quand au tout début il dit quoi? Ouais, aujourd'hui c'est plutôt facile, ça va être 40 facile, ah, on ouais. est en premier jour de poule. Le match d'après, c'est que c'est la gueule. J'étais plié. Ah, vraiment, c'était des bâtards avec lui dans le docu. Ils l'ont terminé dans le docu de A à Z. C'est quoi ce perso déjà? Oh putain. C'est chaud, mec, hein. Mer. J'arrive même pas à merde. J'ai tout raté. J'ai tout raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lourd, lourd. Comment on tech en wifi? Focus sur la touche, mec. T'es sûr? Je jure que sur la touche ça marche. Let's go. Oh. Non, je... C'était de la merde. Ouais. Ton dernier, il est bien, mais tu peux pas compter celui-ci, non. En fait, tu clanques avec les items, mais... Ouais, y'a peu de gens qui le font. En l'air, tu peux, ouais. Let's go. Bam boom. Putain, pourquoi j'avais plus rien? Ce qui est trop chiant avec toi, c'est que tu rates jamais les trucs d'Edgeward comme ça, peu importe le perso que tu joues. Ça casse les couilles. Ouais. Tu sais genre les phases, les petits trucs de con là quand t'as des ressources, en mode... Ah oui, oui. Bah en gros quand tu sais exactement comment tu le punis, tu dis juste ok bah là je dois le punir là, et avec mon perso j'ai cet outil là pour le punir. Et dans d'autres situations peut-être il pourra le punir dans un autre endroit mais pas un autre.
Du moment que tu connais, tu peux très facilement adapter. Ouais, mais t'es précis. C'est, en fait, je trouve que dans Smash, il y a un truc qui me casse les couilles dans la commu. C'est que les gens partent trop du principe que si tu sais un truc, tu vas savoir le faire en termes d'exé. Ouais. Moi, je trouve pas que ça, c'est un truc. Genre, les gens sont en mode, bah ouais, en fait, bah, tu punis ça et tu fais comme ça. Sauf qu'en fait, ça demande une exé précise. Et l'exé dans Smash, elle est hyper importante. Et j'ai un peu l'impression, des fois, que les gens oublient qu'elle est importante. Et qu'ils sont en mode, ouais. Bah ouais, c'est juste de la connaissance, Smash. Alors que. Je jure qu'il y a vraiment des trucs. C'est exé, puis la plupart du temps, c'est timing. Genre, savoir le faire le truc au bon moment. Ouais, c'est ça. Oh, ma Lucina. On dirait un peu Ganon. Après, joue ce que tu veux après. Hein. Oh, putain, le connard que je voulais parier. Tu veux DK après, mec? Tu veux remplir ta banque de clips? Ça me fait plaisir. Hein. Vas-y. Et Wario, ça te fait vraiment chier? Que les gens étaient en mode pourquoi ils jouent pas à Wario? Mais bon. Oh, en wifi. Bof, bof. Attends, ça veut dire que les gens ont la voix de Nassim? Ouais, ils sont là. Ils sont là dans le chat. pour... Oh, Lucina, c'est vraiment un perso pour moi. Tiens. Yop. Oh, le fou. Oh, le malade. Non. Pas de jump. Oh. Légère. Oh oui. Oh. Il est... Oh, le lèche-trap en wifi par contre, c'est une torture. Ah, c'est dur. Hein. Oh. C'est dur, mais tu sais que ça m'a fait grave... Step up mon lèche-trap en off. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, ça m'a appris, même si bah c'est sûr que c'est beaucoup plus facile en off, mais ça apprend quand même à reconnaître les situations. Après, le problème, c'est qu'en wifi, t'as des gens qui abusent de la neutral get-up. Que la neutral get-up, c'est vraiment broken sur wifi. Ouais, même si tu sais, c'est beaucoup plus dur à punir. Ça t'est chiant. T'as le temps? Ah. On recommence. Mais... Ouais, t'as tenté. Je pensais pouvoir survivre. Max, it's real. Ouais, ça dure trop longtemps, mec. Ça. Ça a dit combien de fois? C'est mon lèche-trap. Mon lèche-trap. Oh, c'était close, hein. Ok. Non. Ah, ça touche pas ça. Mon désa, mec, mon désa en vrai. La patience. Ah. Oh, bien joué, bien joué. Oh, bien joué, putain, ouais, mec. Le crouch. J'ai eu un désa de baiser par contre. C'était bien passant à l'edge et tout. Vas-y, prends un perso que tu sais jouer là. Et moi, ce que je mérite. C'est bizarre, en wifi il y a des persos, même s'il n'y a pas de raison particulière, j'aime pas les jouer du tout. Genre je préfère jouer Ganondorf que Lucina, pourtant j'aime bien jouer Marth. Du coup je peux jouer Marth là. Oh ton Marth il est traumatisant. Mais j'aime pas Lucina, je comprends pas comment ça se fait. Oh ton Marth il est vraiment traumatisant. La pointe. Je pense ton... Le pire perso... Quoi le perso contre qui? Parce que en vrai. C'était le Megaman. Ouais, c'est ton Megaman, je pense. Parce qu'en vrai, j'aime bien ton Wario.
Genre, voilà, j'aime bien parce que je trouve que le match-up il est agréable à jouer. Et ça va. Genre, tu peux jouer autour des trucs. Mais Gaman, c'est trop chiant parce que vu que t'as les rides et tout, c'est trop relou. Mais en vrai, je me suis fait aider et ça m'a trop ouvert les yeux sur le jeu. Par Mjolnir et tout, ça m'a. Ouais. Ça m'a trop ouvert les yeux. Youhou enfin, let's go, bien joué. Surtout sur le désavantage en vrai. Genre le. Ouais, le, c'est un peu très important. Hein. Le désa et mon neutral est devenu grave clean. Mais bon, c'est encore dur d'être constant. Et j'arrive pas à ne pas avoir envie de crever en tournoi. Comment ça, quand tu fais un tournoi, genre? Quand tu perds ou... En fait, c'est même pas quand je perds, mais j'ai du mal à être constant. En fait, quand je perds un set serré, j'arrive pas à me remettre dedans. Alors, tu vois, j'ai perdu un set 2-1 contre Lazo. Et genre, c'était hyper, hyper long. Genre, c'est presque joué au timeout. Et j'ai refait un set après en loser et c'était fini. J'arrivais plus à me concentrer, c'était une catastrophe. Ouais, ça c'est le mental, hein. Faut que ça se travaille. Faut savoir pourquoi tu te dis ça. Dis-toi que t'auras toujours un prochain tournoi de toute façon, t'as rien à perdre. Ouais, c'est ça. C'est qu'en plus, y a aucun enjeu, c'est. Personne me met de la pression, juste je me la mets tout seul. Bah, c'est bien d'en avoir un minimum, sinon tu joues pas à fond, mais. Dis-toi juste que c'est pas grave. Apprends. Du moment que t'apprends, t'as rien perdu. Waouh. Ah, c'était de la merde, c'est comme les straps. Ok, hop là. Ah, je vais. Ah. Eh oui. Certes. Ça connecte pas. Wouh. Non, pourquoi je mâche. Non, non, ça c'est. Ça franchement, c'était de la merde. J'aurais jamais dû faire ça. Oh, impossible. La pointa. Ouais, c'est le monde. Ça va aussi. Putain, t'as battu T. Pourquoi je fais des trucs comme ça? T'as battu T, donc tu sais. Ah. Ah ouais. T'as tué? Ah ouais, ça tue même pas, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça fait mal, ça. Ok. On revient. Ouais, ça revient tellement bon. Quoi? Eh ouais, mec. Oh mais t'es patient. T'es patient. T'as déjà joué au jeu toi? De temps en temps. Quand je joue pas à Multiversus. Ah ouais. Quel jeu de fou. J'aime trop, t'as essayé? Ouais, j'ai joué un peu. C'est marrant, après moi j'ai du mal avec le format de V2. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'est trop drôle en 2v2 je trouve. J'aime trop le 1v1 dans les jeux, donc le V2 ça me fait un peu triste. Oh, t'as le temps! T'as le pas de grab! Wow. Pas de grab! Wow. J'avais peau! J'avais peau! Et ouais, je trouve que pour les streamers, c'est vraiment pas ouf le 2v2. Parce que. À regarder, mec! Ah oui, oui, le seul problème, pour l'instant, ils comprennent rien, les viewers qui ont pas encore joué au jeu. Après, quand ils auront commencé à jouer, peut-être qu'ils comprendront un peu plus, mais c'est vrai que c'est un peu bordélique pour eux. Mais je trouve que le jeu en 1v1, c'est pas. Tu joues pas au jeu entier en fait, genre ça se voit qu'il manque des trucs. Ouais, clairement. Bon, après c'est une alpha, mec. Hein. Oui, bon c'est sûr. Genre on part d'une alpha. Ouais. Il est. Je vois des gens qui disent qu'il est très moche, moi je le trouve vraiment beau le jeu. Ah ouais, ouais, vraiment le jeu il est beau. En fait vous êtes juste matrixé par Smash. C'est juste Smash, c'est incroyablement beau. Ah pareil. Smash c'est magnifique donc. C'est juste magnifique, je sais pas comment ils ont fait mais. Ah c'est mec, en plus sur Switch quoi, le jeu il est incroyable. La
Quinta. Non. Quinta. C'est trop dur de remonter. Yush. Ah, t'as fait la polynomie, mec. Récupérer la cloche, mais se faire punir. Polynomus. Toi qui m'as appris ça. Patience. Bien vu. Bien joué. Quoi? Non, mais j'étais en mode, y'a plus de contre. Tech, il tech. What? Eh ouais mec, ça tue mec. Ça a bien rebondi. Quoi? Ok. Non. Bah alors, c'est ton trampoline, c'est le bien. Ça dégoûte. Tellement un jab ça. Quoi? Le bruit de la pointe là. C'est le palmarès de Marf. Hein. Avoir un bon bruit de pointe. Ouais, vraiment. Oh, mais là, j'ai trop le. C'est quoi cette heure de jeu? Ok. Youp. Tac, downtilt. Le pire downtilt du jeu. C'est bon. Oh, abuse. Je te jure que si. Parce que, tu sais, il sert à rien du tout. Il met pas en tech chase, etc. Depuis le buff surtout, buff nerf. Après bon. Le down tilt des épéistes dans le jeu. Quoi? Wow. Bah regarde tous les down tilt des épéistes. Ils sont incroyables. Kurin, Roy, Chrome, Lucina. Oh c'est Chrome, il est incroyable. C'est Turner Tortman. Le peintre. Il y a que celui de Cloud et Sephiroth qui c'est des down tilt sans épée, du coup on peut pas aller trop les considérer comme épée mais. C'est trop dur de te grab. Bah ouais, je roll à la place de grab contre Pac-Man. Ouais c'est ça. Il peut rien faire pour... Même s'il ride la roll, hormis s'il a genre une gelée ou quoi, il peut pas te faire de S-Mash. En fait pour te grab, je dois trop faire des rides de baiser. Ou parfois quand je suis à très haut pourcent là je grab mais c'est pour... C'est pour me dire genre je préfère shield et me prendre un grab plutôt que autre chose quoi. Ouais c'est ça. Ah, tu sais le jouer. Hein. Marc, j'aime beaucoup le jeu. Ouais. Non, tourne-toi, monsieur. Quoi? Ça connectera pas. Non, ça me met trop dans la merde de full up des fois. Yish. Oh, si t'es sweet spot, t'étais tellement mort. Ouais. Clairement. Hop. 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 Oh, je te donne ta. Oh, ça connecte. Ça connecte. Tiens. Oh, pour mon punish game. On a tout vu. C'était incroyable ça. Je croyais que t'allais faire un turnaround de smash, un truc de fou. Oh. Ah bah ça c'est pas de chance. Oh t'es chaud. Hé, casse-toi. La zone rouge.
Je pourrais essayer de samedi, ça va être vraiment sympa. J'ai jamais... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de tournoi streamer sur Smash. En plus, il y a un truc... ouais, c'est ça. L'invitationnel des stars, ça s'appelle. Ouais, en fait, c'est un... Il a fait un invitationnel où il y a genre 14 streamers et je suis invité. Oh, c'est trop lourd. Et du coup, il y a Ponce, il y a Crocodile, il y a pas mal de gens. Il y a... C'est un, non? Ouais, je suis si bien. Normalement, je suis pas censé perdre. Mais... Y'a qui te fait peur? En vrai, personne, hein. Y'a pas un gars qui dose en secret, genre. En fait, ça dose, mais... En gros, je pense que... Pas en tournoi. Avant mon training, j'aurais eu peur des gens. Et là, j'ai trop train, et... C'est la première fois que je vois vraiment des résultats. Genre, je me suis toujours trouvé trop gaze au jeu, genre à chier. Mais là, je me sens largement mieux qu'avant. Genre, je sais que j'ai des milliards de trucs à apprendre encore, mais je suis en mode, putain, c'est quand même largement mieux. Ouais, ouais. Et aussi, le truc, c'est que après mes sets, maintenant, je sais quand j'ai mal joué. Genre, je... Que t'as mal fait. Ouais, j'arrive largement plus à me rendre compte de mes défauts, alors qu'avant, j'avais un peu de mal. C'est bien, t'as step up. Mais c'est vraiment trop dur d'être... En fait, j'ai vraiment du mal à camper constamment avec mon perso. Ça me demande trop de ressources. C'est dur de camper, hein. Ouais, mais vraiment, c'est trop dur. Les gens croient trop que camper, c'est facile. Mais c'est vraiment pas facile. C'est tout sauf facile. Non. Comment t'arrives à faire ça, mec? À catch les neutral get-up en wifi. Je sais pas, j'ai le timing. C'est vraiment grave, hein. J'ai été hyper impressionné par Nitox. Je pense que ça a été le top qui m'a le plus impressionné en wifi de toute ma vie, genre. Ouais. Mec, j'ai joué contre lui, j'étais en mode, ah ouais. Et même pas en mode, tu sais, les 3 stocks et tout. Enfin, c'est même pas ça. C'est juste genre, ouais. Il est trop fort. C'est juste genre, il est trop fort. Ouais. Et... Il est trop fort. Il y a... En fait, il y a même pas de... Ouais, c'est parce qu'il me casse la gueule. C'est genre, j'ai l'impression... Mec, j'ai jamais autant perdu de last-hit de ma vie. Genre, tous les last-hit, j'ai perdu. À chaque fois, c'était impossible. Genre, à chaque fois, je me disais, bah ok, c'est last-hit. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on va y arriver. Impossible. Mmh. T'as joué avec lui en wifi ou... Ouais, je jouais qu'en wifi. Par contre, j'ai jamais joué en off avec lui. Ouais. Attends, je vais changer. Ouais. Je prends mon vrai main. Oh non, le DK. Allez, hop. Ça va bien m'apprendre mon désavantage, ça. Allez, exactement. Le DK qui a 3 stocks. Flo. Ouais. 3 stocks. Ouais, 3 stocks. Ouais. Il ne dira pas que j'ai commencé avec 3 stocks et lui. Je vais devoir match la flemme, quoi. Ok, l'avantage. Ok. Attends, si tu me bats, c'est que t'es plus fort que Mozai. Hein. Mozai, il a pas réussi à me battre. Mozai, il a jamais réussi à te battre avec DK? Ouais, mais... Bah, la dernière fois qu'on a joué, j'ai 3-0. En vrai, c'est trop dur, mec. Bon, après, c'était pas en wifi. Oh non, je suis un brawler, frère. J'ai jamais le droit de faire ça. Pas compliqué, c'est clair. Bah, ouais. Oh oui. Oh oui. C'est de ouf. On est là, on est là. Oh putain, mais il y a tout dans ce deck. Hein. Ouais, bien vu, bien vu. Il y a rien dans ce deck. Hein. Tu m'as trop chauffé, c'est pour ça. Quoi? Oh ouais, le bâtard. Bien en désa et tout. Oh, j'ai take. La bagarre, ce deck. Hein. Non, on est que là pour ça. Hein. Ça me protège. Ça me protège. Je suis tellement gros. Okay. Oh, je suis trop con, j'ai jamais le droit de te grave en vrai. J'ai tellement pas le droit de te grave. Voilà, ça c'est mon perso.
Attends, Amiral il dit comment ça chill avec Gluto, MDR c'est moi quand t'affrontes round 2 du Wanted, pas besoin de traîner avec les meilleurs. Non, mais... excuse, tu sais que je jouais avec Gluto en 2019 mec. On a toujours chié. Non, il a peur de toi Amiral, il a peur de toi. J'ai trop peur, Amiral. J'ai senti, on en a parlé tout à l'heure, on a fait un game plan et tout contre toi. Hein. Bah ouais, on a fait un game plan. Ah bon. Il y a un PDF qui tourne sur toi, Amiral. J'ai regardé tes VOD, j'ai regardé toutes tes mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes, tu existes. Alors la première erreur qu'il va faire tout le temps, c'est dans le select screen, il va prendre King K. Rool. Ça c'est une grosse erreur ça. Du coup t'es gagné, GG. Ah, le timing. Ouais. Là, tu fais tout le temps cette option. Et à chaque fois, je me dis que tu vas le faire. Et à chaque fois, je me le prends. Aïe, 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 aïe. Putain, l'avantage que t'as à faire, ça va aussi. Hein. Je sais pas si t'as vu Flo, il a tweeté. Tu sais, il est venu chez moi, on a joué pendant genre 4 heures. Après, il a tweeté. Je confirme que Gluttony a l'avantage de... Kazuya Mishima avec son Wario. En mode je le touche. Après c'est vraiment, je pense que c'est aussi aux US, ça te fait trop train ton avantage, je trouve que c'est la section du jeu qui est le plus train quand tu joues avec des tops. Parce qu'en fait t'es obligé de leur mettre de la max, sinon tu te fais fumer, hein. Genre quand je joue contre Léo, vu que lui il me fume, si je le fume pas moi aussi je perds. Et en plus faut mettre certaines pressions, montrer que t'es là quoi. Eh oui. Eh ouais. C'était un grab. Bah je mix up mec, c'est toi qui... Je mix up. Wouhou. Oh non. Oh la punition. Ouais, bon, plus fort que Mozai quoi, c'est tout. Regarde l'animation. 1-1-1-1. Non, t'es chaud. Non, frère, c'est... Attends, c'est... En fait, ouais, Mixed, je trouve qu'avoir un... Après, c'est sûr que le désavantage d'un top monde, ça va peut-être moins se voir. Mais c'est ce que disait Flo, il a raison. Pour... Ce qui fait la différence entre les excellents, excellents, excellents joueurs et excellents, excellents, excellents joueurs, je trouve que moi c'est leur avantage. En fait, la capacité à pas extend, trouve pas. Toi, tu dirais le désastre. En vrai, c'est le plus visible, c'est surtout ça. Mais le neutral, ça fait énormément aussi. Moi, perso, ce qui me fait toujours défaut quand je perds un match, tout le temps, c'est neutral, tout le temps. Ça, je sais jamais, je perds contre quelqu'un constamment à cause de mon avantage ou à cause de mon désastre. C'est surtout le neutral. Après c'est peut-être aussi beaucoup dû à Wario qui a un neutral très très particulier. Mais c'est beaucoup là-dessus que je fais la diff quand je fais mes adaptations, mon changement de gameplay. Et je trouve que t'as rattrapé les trucs en neutral. Avant il te mettait la max quand il jouait Wario. Ouais exactement. Maintenant ça va. Justement on a travaillé mon plan B, le plan tweak on l'appelle. Je te jure, genre le tweak mode. Avant j'étais trop nul en tweak mode et maintenant je suis limite plus fort que lui en tweak mode. Avant on disait tout le temps ouais si j'arrive à jouer tweak, à faire mon mode tweak plus mon mode Gluto, je suis invincible et là c'est... Ça se passe mieux. C'est le cas du coup. Yeah. Je suis pas mort. Ah je suis con. Putain j'avais trop bien joué. Et j'ai oublié d'enlever le B. Ok. Envoie. Non. Mais. Let's go. JR dodge. Oh
Hop. Oh, bien joué, mec, bien joué, bien joué, bien joué, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, c'est tout. Ça me détruit de me dire que l'online de. Le multiversus il est meilleur que celui de Smash. Ah, mais mec, bah oui, gros, le online de tout, hein, de Brawlhalla, de Farming Simulator. C'est tellement triste. Ok, tac, hop là, on se défend. Ok, le moment. Ok. Est-ce qu'il va tech? Oh le bâtard. Où est-il? Ah. Hop les, le mix-up vocal. J'arrive. Oh le bâtard. Eh oui. Non non non. Oh mais... t'es air dodge, t'es chaud, t'es air dodge. En fait je me disais s'il air dodge pas avec des cas je peux l'arnaquer. Aïe aïe aïe. Putain, t'as vraiment dit il va tech pour que je dis aïe in, sale chien. C'était prévu. Non, c'est bien joué quoi. Alors, nouveau personnage. Nouvelle aventure. OMG le War. Le quoi? Le Wario? Le Wa. Oh le Wa. Peut-être, peut-être pas. Oula, je sais pas si t'as entendu. Ça c'est la souffrance. Oh non, hein. Je vais l'essayer vite fait mais... Oh non, pas lui. Oh pas lui. Bah, après bon, en off... Jouer contre Trim tout à l'heure. Ouais. Ah, il a tellement step up son Joker. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais frère, son Joker, en tout cas la dernière fois que je l'avais joué, il était pas comme ça. Hein. Megaman c'est limité quand même. Ouais, non, c'est pas mauvais mais... Après bon ça se sentait qu'il appliquait de ouf le game plan contre Pac-Man en général. Il faisait pas forcément des trucs de Joker, mais il faisait des trucs trop efficaces contre Pac-Man. Genre tu sais que j'ai quasiment... Mozai m'a fait une note vocale de 2 minutes pour m'expliquer comment mettre des fruits dans le neutral à Joker. Okay. m'a fait une note vocale. Parce qu'en fait j'arrivais pas, je lui mettais tellement peu de trucs. Genre les games que je prenais c'était quand je faisais des grosses rides et tout, mais j'arrivais pas à être constant dans le neutral contre lui. Ouais. Oh wouh. Sexy. Oh merde. Oh bien joué. Oh oh. Bien joué bro. Ok les petits combats. Non. Oh je vais te footstool le F-Smash, c'était tellement... Là c'est optif, oui. C'est à moi ça. Putain. Oh merde. Non. Non, l'invincibilité. Mais des dégâts hein. Ah mec ça bosse maintenant, je te jure, on donne tout. On veut pas que tu perdes ton temps quoi. Faut que tu traînes le... On veut que tu dises j'ai traîné le match Pac-Man et pas j'ai joué avec étoile quoi. Mec Flo m'a dit ça, ça a été je pense le plus beau compliment qu'on m'a fait sur Smash de tous les temps. Let's go. C'est Flo qui a dit putain mec je peux enfin m'entraîner avec toi. Oh c'est stylé. Mec il m'a dit ça, j'étais en mode ouais c'est bon. T'as tout gagné. Bon ça sert plus à rien de jouer au jeu. Oh c'était tellement risqué en fait. Putain. Quoi? Eh ouais. Toutes les interactions.
Oh, ok. Oh la dinguerie. Non. Ok. Oh oui, le ride. Oh là 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 là. Eh mec, en vrai. En vrai. Là, c'était du cassage de gueule, excusez-moi, excusez-moi. On a joué. Non, c'est bon, commence pas à jouer mec, s'il te plaît. Commence pas à jouer.